Nous te rendons la gloire, merci pour cette présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Dieu a quelqu'un, que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Il y a des places vides dans la salle. Pour ceux qui sont dehors, entrez. Occupez les places. Vous êtes au cabinet d'écoute. Amen. Hier, nous avons repris nos activités à Zaroko. Nous avons repris nos activités à Zaroko. C'est là-bas sur le camp de prière. Ici, l'intérieur est un endroit de retraite. Ici, c'est l'administration. Nous avons fait une petite pause par rapport à la nouvelle année. Il fallait réorganiser certaines choses. Donc, nous avons repris nos activités au niveau de Zaroko. Tous les week-ends, ça sera comme ça, à partir du jeudi, à Zaroko, vendredi, éveillé, le samedi ici et dimanche ici. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Dieu, on le cherche. Pour trouver Dieu, il faut le chercher. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous prenons tous la Bible. Vous avez les Bibles ici? Qui a Bible? Non. Nous allons prendre le 38. Nous prenons Ésaïe chapitre 38. Et si vous y êtes, nous allons faire la lecture. Ésaïe 38. Amen. Quels sont ceux qui ont des Bibles? Quels sont ceux qui sont chrétiens ici? Parce que ici, on reçoit tout le monde. On reçoit même des musulmans et tout. Quels sont les chrétiens? Pourquoi ton doigt est petit quand même? Vous êtes chrétiens? Ok. Je veux bien lever à ceux qui sont chrétiens. Ok. Et vos Bibles? Merci. Toi, t'as ta Bible? Merci. Toi, tu as ta Bible? Merci. T'as ta Bible, oui. La Bible, c'est dans son portable. Oui. Moi, il y a une Bible dans mon portable, il y a une Bible aussi à moi ici. Moi, j'ai une Bible dans mon portable, sur ma tablette, j'ai une Bible dans ma chambre. On va me prier une nouvelle. Oui, il est où ton oncle? Il est couché. On vient de me donner, il faut le réveiller. On vient de me donner une Bible, merci. Il vient de m'offrir une grosse Bible à ma maman. Amen. C'est un beau cadeau. La chrétienté est basée sur une seule chose, la connaissance de Christ. Amen. Or, si nous maîtrisons les choses spirituelles, il sera difficile à Satan d'avoir accès à nos vies. Est-ce qu'on a bien saisi? C'est pour ça que j'insiste beaucoup souvent de parler la parole. C'est vrai que les gens viennent ici au camp pour une délivrance, pour être restaurés. Mais le christianisme, c'est une vie. C'est-à-dire qu'en dehors de ce centre de prière, vous avez, il y a une réalité à la maison. Vous êtes confronté à quelque chose. Parce que le christianisme, c'est une vie. Donc le chrétien doit constamment être en contact avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, aussi de la parole de Dieu. Donc le chrétien doit constamment imprégner dans la parole de Dieu. Il doit toujours lire la parole de Dieu. David dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Amen. Amen. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie.
Celui qui médite constamment la parole de Dieu, qui est en contact avec la parole de Dieu, en contact avec la vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la parole de Dieu. Moi, je suis constamment en train d'étudier. J'achète les livres. J'étudie, j'apprends beaucoup de choses. Pour grandir dans la chrétienté, c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes menacés par Satan. D'autres sont devenus, qui sont chrétiens. Le diable a facilement à se faire leur vie. Ils ne savent pas ce qu'il dit parce qu'ils n'ont qu'une connaissance de la parole de Dieu. Or, la Bible dit, par choix de connaissance, mon peuple périt. Si Satan a pu attaquer Jésus, c'est pas toi qui peux attaquer. Pour attaquer Jésus, le diable a utilisé la parole. C'est pas ça? Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit au... aussi des paroles contre paroles. Amen. J'ai fini par comprendre qu'il faut faire soi des gens dans le christianisme. Ça, c'est important. Dans certaines choses de Dieu. C'est vrai que les gens viennent. Ici, ce n'est pas du maraboutage, ni le fétichisme. Le travail que nous sommes en train de faire est tellement, tellement costaud, sérieux, que si jamais on te délivre d'une situation de la sorcellerie, que toi-même, tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, il revient à l'attaque. Et quand il vient là, ce n'est pas un musulman, hein, il vient être trois mamites. Elle qui mange, qui la met, vous pouvez manger vite, vite. Vous connaissez les quêtes de nous, on met feuille de akéké là-dessus. Là, ça cuit très vite. Au moins, c'est venu, c'est déjà cuit. Amen. J'ai écouté une sorcière qui parlait, elle dit, moi, là, je ne prépare pas. Elle dit, pas pour toi, là, c'est dangereux. Nous, on a dit, elle ne prépare pas pour elle. Non, elle n'a pas le temps d'aller mettre si feu. Pourtant, puis ça va cuire. Il dit, c'est toi-même qu'on appelle sorcellerie. C'est toi-même qui pratique sorcellerie. Tous les autres, ils préparent, même qu'ils mangent dedans, tout ça. Donc, si vous maîtrisez la parole de Dieu, le diable difficilement aura accès à votre vie. Pourquoi? Parce que Christ, à la croix, vous a délivré. Nous a tous délivrés. Amen. Amen. Et avec Jésus-Christ, nous avons le pouvoir sur le diable. Or, l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. C'est parce que vous ne savez pas que le diable arrive à vous avoir. L'attaque, vous ne pouvez pas exclure l'attaque de votre vie. Souvent, le diable vous attaque. Moi, je suis toujours attaqué. Amen. Amen. Mais je parle à Satan. Je dis des choses à Satan. Si tu ne sais rien, comment tu diras quelque chose à Satan? C'est ça ton problème. C'est pour ça qu'il faut chaque jour lire la parole de Dieu. Nous mettons de l'argent dans les portables. On peut mettre 800 000. On peut mettre 500 000. Il y a le portable de 800 000. Il y a le portable de millions. Parole de Dieu, la Bible qui est combien? Petit prix à partir de petit. Souvent, il y a la parole, il y a les billes de 60 000, hein. Il y a les billes de 70 000, il y a les billes de 80 000. Mais le petit prix, c'est quoi? 2 000. Ouais, 3 000, 4 500. Voilà. Ouais, mais c'est des rétablis. Mais on fait une Bible de Jérusalem, voilà, tu vois. Amen. Donc, il te faut une parole, il te faut la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'il faut la parole de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Pourquoi Satan? Souvent, quand Satan vient m'attaquer ou les sorciers viennent m'attaquer, moi je connais mes droits dans le Seigneur. Vous savez, quand tu es basé sur les versets, quand tu veux prier et puis tu fais recours à des références bibliques, le diable a peur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est pour ça que Jésus dit, il est écrit. Quand vous priez, vous prenez un verset, mais vous dites, Dieu, voici ce que tu as dit à mon égard, le Seigneur a oublié de se manifester. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien saisi? Ça va chez vous, madame? Venez. Elle marche bien maintenant? Elle ne marche pas, moi je suis venu ici, maintenant ça va. Tu vas vite marcher maintenant, tes histoires d'image ont des robots là. Il faut que ça soit réglé. Ça marche bien maintenant. Ça va? Bien même. Ça marche. Mais vous n'avez pas répondu l'aspect bien. Ah ah.
ça va? Tu dors bien? Bien? Ok. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Dis à quelqu'un. Je ne sens pas quelqu'un, dit Jésus est puissant. Ici, nous sommes habitués au miracle. Ici, c'est le miracle, l'énergie, c'est un secret ici. Pourquoi? Parce que Dieu, là où Dieu est présent, il se manifeste. Elle ne marchait pas qu'on envoyait ici. Elle ne marchait pas du tout. Et le Seigneur a opéré un grand miracle. Amen. Celui qui ton problème là est trop petit, Jésus peut encore te délivrer. Dis amen. Amen. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus peut te délivrer. Jésus peut te délivrer. Madame, ça va? 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 Tu as la bouche, tu parles, Dieu te dit de parler, tu ne veux plus parler. Tu fais sorcellerie, ça va madame. Tu fais sorcellerie, tu as mangé, viande de là, sauce arachide. Tu ne parles plus. Ça va? Ça va? Cette année-là, c'est comme ça, j'ai eu maté ici. Ça va? Oui, c'est vrai. Si on t'envoie, tu ne veux pas parler là. C'est comme ça que tu vas devenir ici. Voilà, on a trop dit. Non, 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 non. Maintenant, c'est pas. Non, écoute, tu applaudis comment? Oui, applaudis pas ça. Ça va, oui. Madame, ça va? Est-ce que ça va? J'ai pas entendu. Ça va? Viens. Vous prenez la bouteille en train de faire. Ici là, c'est votre ministre, hein? Et là, tu t'es venu en voiture, tu t'es bien. Hein? Comment t'appelles? Hein? La voiture là, ça fait marcher à son nom. Ça fait marcher à rien. Ça va? Hein? 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 Dieu dit de parler, tu as dit quand. Tu ne veux pas parler. Je ne vais pas te fermer. Quand on arrive à ce stade-là, c'est que c'est un châtiment de Dieu. Vous voulez quoi? Ses parents. Son frère est parti, il est là. Vous voulez quoi? Ah, c'est moi qui délivre. C'est elle-même qui veut. C'est elle qui doit vouloir délivrance. Tu veux délivrer? Hein? Tu es sorcier? Hein? Hein? Tu ne veux pas laisser? Tu veux pas laisser? Tu as laissé. Donc tu es prêt à parler. C'est ça son problème. Hein? Tu as parlé. Tu as dit quoi? Tu fais bâcher son nom. Répète. Tu vas faire quoi?
On dit les bagnards, là. Eux, c'est. Tant qu'on n'a pas mis de cailloux. Quand ils vont voyager, ils voient Banga, il y a peur. En bas, il n'y a pas de voiture. Ce que ça m'a montré, pas tant que yo. Il y a une palpitation jusqu'à Banga. Fausse voiture, on est Banga. Tant qu'on ne met pas. On arrive à caler, non? Caler. Ça ne bouge pas. Dès que tu ne mets pas carré, ça bouge, ça va macharrier. C'est pas un voiture Banga là. Banga, c'est un macharrier. On t'écoute. Oui, oui. André Banga. Tu veux dire quoi? D'ailleurs, chaque jour, moi, il prend la peine de t'appeler. Vous comprenez? J'ai toujours envie de l'aider, mais elle ne veut pas parler. Donc, fais comment? Il ne faut pas laisser le cadavre ici. Hein? Il y a ça aussi. Tu veux mourir? Hein? 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 C'est quel bras tu fais comme ça? Tu veux mourir? Mais pourquoi vous avez fait la mort? Toi, tu ne tues pas. Tu vas les sorcier. Tu n'as jamais tué. Tu tues, non? Tu as tué, non? Tu as déjà tué, non? Non, sera obligé de vous enlever d'ici, hein. Oh bien. Elle n'a pas compris mon français. Ah. Un truc qu'on ne peut pas la laisser ici tout le temps. Elle n'arrive pas à parler souvent. Ah, mais c'est de la faute à qui? Qui l'a fait quoi? C'est elle? C'est qui a dit à la tuer ici? C'est pas elle qui a dit à la tuer les gens. On ne peut pas parler, tu ne veux pas parler. Tu prends une la tu mets sur toi. C'est pas ça qui va t'arriver. Ou jouer un autre huile, vous savez pas que c'est dangereux. Je fais comment? Ouais, tout le temps, j'ai fait tout l'effort pour l'aider, elle ne parle pas. On peut comment? Depuis même, nous, on ne parle pas, elle ne parle pas. Vous avez dit, on demeure ici. Ah. T'es fermé? Vous savez, quand on arrive à ce stade-là, c'est que Dieu veut frapper. C'est ça, il y a un châtiment de Dieu sur sa vie. Tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler? Tu es Banga ou bien? Tu fais ma charrière depuis. Tu ne veux pas parler? Hein? Hein? Quand vous êtes là, mais elle parle. Elle parle pas, elle a l'enlevé d'ici. Je ne suis pas venu pour amuser. Ici, là, ce n'est pas amusement. On n'est pas venu pour amuser, c'est pour aider tout le monde. C'est qu'elle sort, c'est qu'elle ne veut pas parler. Pourtant, le principe, il faut tout parler. Toi, tu es venu, tu ne parles pas. Ta bouche va se fermer. Où la dame qui chiche les gens, elle est partie. Elle a fui. Elle pense que c'est ici, on vient s'amuser. Elle vient s'amuser ici. C'est qu'elle va chercher là, tout ailleurs. Hein? Oh, va t'asseoir. Nous prenons la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 38, si vous y êtes, on fait la lecture. Ésaïe 38. S'il vous plaît, compagnie là sa place. Allons-y. Dans ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit,
Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai cette ville. Et je protégerai cette ville. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici une parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Il s'agit ici de Ézéchias. Amen. Et du prophète Ésaïe. Ézéchias est un grand roi à son temps. Voilà que cette personne va contracter une maladie. Et lorsque nous lisons l'histoire, la personne avait ulcère et plaie au pied. C'est cette transformée en cancer. Amen. Il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Vous savez que je vous condamne pas l'histoire de ce monsieur. Ce monsieur, il est descendant d'une famille qui avait auparavant péché contre Dieu. C'est-à-dire que Akab. Akab, celui qui a envoyé le dieu Jézabel, le dieu Baal en Israël, il avait pour femme Jézabel. Ces personnes-là se sont détournées de Dieu. Ils ont conduit tout Israël dans l'apostasie, dans l'idolâtrie et tout ça. Dieu va passer au travers du prophète Élie pour régler ce problème. Alors, Akab a été châtié également, Jézabel. Alors, le monsieur va prendre le trône. Quand il a pris le trône, il a cassé le temple des anciens dieux, il a cassé le temple de tout, absorbé, tous les temples des dieux bizarres. Il va conduire Israël dans la vraie adoration. Amen. Alors cette fois-ci, le monsieur est en train de préparer la guerre contre un autre peuple, un autre pays, la Syrie. Pendant qu'il préparait cette guerre, il va être frappé par une maladie. Il est resté dans la présence de Dieu. Il n'allait pas consulter un médecin. Il a commencé à prier, invoquer le nom de son Dieu. Il s'attendait à un miracle de la part de son Dieu. Lorsque Ésaïe a débarqué dans sa maison un matin pour dire, Monsieur, je suis Ésaïe, les prophètes dans cette époque-là vivaient dans les montagnes. Donc il a reçu un message de la part de Dieu. Il dit, je viens au nom de l'Éternel et déclarer cette parole. Et qu'il arrête de prier maintenant, maître, parce que de même 6 heures, tu es un homme mort. Voici le plan de Dieu pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, c'est fini. Mange ton dernier repas ce soir. Si c'est foutu, mange le foutu. Avec poulet, sauce, etc. Mange, c'est ton dernier repas. Cherche aujourd'hui un héritier sur le trône. Écris ton testament. Tu es un homme mort. Et puis donne d'eau. Il est parti. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas une question de va échanger, non, ou on va négocier. Dieu dit tu vas mourir. Donc il donne d'eau à Ézéchias. Si c'est toi, David, comment? Tu as foigné la tête, tu as pleuré, tu vas tirer sa chemise, monsieur le prophète, c'est moi comme ça, vous parlez comme ça. Ézéchias n'est même pas intéressé à la parole de l'homme. Amen. Il n'avait pas négocié avec Ésaïe. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait dit que cette parole venait de Dieu. Or, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive. Amen. Amen. Du coup, il tourne, on dit, il a tourné les regards vers le mur. Or, le mur, c'est la présence de Dieu. À l'image du mur de Lamentation. Amen. Le mur, c'est la présence de Dieu. Si tu entends une mauvaise nouvelle, rends à la présence de Dieu. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un venait te dire quelque chose de très dangereux, ne sois pas perturbé. Le monsieur n'était pas perturbé. Il va fixer les murs. Il va changer avec Dieu. Il va parler avec Dieu. Amen. Amen. Je vais donc marcher avec la caméra. Quand je parle, tu es devant moi. Je préfère un peu ça.
Il va parler au mur. Il va dire, c'est moi, Isaïe, Ézéchias plutôt. Voici comment je marchais avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire dans cette salle, Seigneur, tu connais mon cœur? Dieu a dit, prenez-le et envoyez-le en enfer. Est-ce qu'il veut regarder ton cœur? Tu vas aller en enfer. Ce que tu as fait de hier, là. Tu te dis ça aujourd'hui, mais toi-même tu connais. Il dit, je suis Ézéchias. Je marchais avec toi, avec intégrité du cœur. Amen. Amen. Et s'obéir, ça paye. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu paye. Dieu, Ézéchias a brandi cela devant Dieu. Il a parlé à Dieu. Il dit, moi, là, je ne mérite pas la mort. J'ai tellement de grands projets. Or, si je meurs, tu donneras raison à mes ennemis. Mes ennemis auront raison sur moi. Dieu va parler à Isaïe pour dire, retourne. Dis à ce monsieur que j'ajoute 15 années sur sa vie. Dis amen. Amen. Voici quelqu'un qui va changer une décision céleste. C'est-à-dire, Dieu, le ciel décide de faire quelque chose. Et du coup, de donner chance. Pourquoi? Parce que la personne a parlé à Dieu. Pourquoi toi tu parles et puis rien ne bouge? Ça ne fait rien au ciel. Dieu, le ciel, le conseil de Dieu avait déjà arrêté quelque chose. La mort d'Ézéchias, c'était déjà sur la table. On attendait les anges aller le prendre jusqu'à la marche à Dieu. Amen. Ils allaient l'escorter pour dire, vas-y ta maison. Ils allaient chanter. Il dit non. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que cette mort-là ne glorifie pas toi-même Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir parler à Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves ne nomme même pas Dieu. Or, nous devons être un témoignage à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nos vies là, doivent témoigner de la puissance de notre Dieu. Mais il faut que tu fasses quelque chose, que tu parles à Dieu. On dit, il a fixé ses regards vers le mur qui symbole la présence de Dieu. Amen. Et toi, quand tu as les difficultés, vers qui tu jettes les regards? Vers qui? D'autres, quand ils sont perturbés, ils cherchent un secours ailleurs. Quand ils sont perturbés, ils partagent leurs problèmes à certaines personnes qui ne peuvent pas les aider. Ézéchias n'a même pas appelé sa maison. Non. Il a jeté ses regards vers le mur. Et Dieu a changé le cours de son histoire. Sa vie a changé. On dit cette parole venait de Dieu. Mais comme lui, ça ne l'arrangeait pas. Ça, c'est important. Alors, il a demandé à Dieu par sa foi. Il a dit, Dieu change les données. C'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Et tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas dire à Dieu de changer l'histoire de ta vie. Tu vas dire à Dieu de changer le cours de ta vie. Tu vas dire à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ce dont tu souffres, cette maladie-là, et ne n'ont pas Dieu. Il faut que Dieu change ta vie. Il faut qu'il change quelque chose là dans ta vie. On dit amen. Amen. Il faut que Dieu te délivre. C'est ça? Amen. Il faut que Dieu te délivre, n'est-ce pas? Tu vas avoir un bon mari, des enfants. C'est ça? C'est très bien. Nous allons ensemble prier. Tu vas rester un moment silencieux dans la présence de Dieu. Un petit moment de silence dans la présence de Dieu pour méditer sa grandeur. Méditer la grandeur de Dieu. Dieu est grand, il est puissant. Il veut encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu est grand, il est puissant. Il veut encore faire quelque chose dans ta vie. Médite la présence de Dieu. Maintenant, je te demande d'ouvrir la bouche et commence à parler à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Il nous présente ta situation. Demande quelque chose. Une intervention de Dieu. Demande à Dieu d'agir. Nous prions notre Dieu.
avançons sous ta souveraineté, Yahvé, notre Dieu. Merci parce que tu es vivant et capable encore de nous délivrer. Éternel, notre Dieu, nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur toi seul. Merci, notre Dieu, sur notre roi. Merci encore de te manifester. Merci encore d'agir. Mettez la main sur la tête. Seigneur notre Dieu, nous croyons tellement ta puissance, Seigneur notre Dieu. Nous croyons tellement ton pouvoir. Nous croyons tellement la délivrance. Nous espérons en toi, Yahvé, notre Dieu. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. S'il te plaît, notre Dieu, regarde encore la vie de ses bien-aimés et agis pleinement, ô Jésus. Nous comptons sur ta main. Je commande aux esprits. Je parle aux esprits. Je commande aux esprits maintenant même. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Comment ? Allez ! Comment ? Allez ! Comment ? Allez ! Feu ! Envoyez-la ici. Feu ! Allez ! Allez ! Nom de Jésus ! Comment ? Allez ! Feu ! Esprit de la sorcellerie, je te commande par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, je te commande maintenant même de lâcher ce corps. Allez, feu. Je te commande, lâche-la, fais sur toi. Allez, libère-la maintenant même. Libère-la maintenant même. Le feu. 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 Le 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 feu. Je commande maintenant. En t'attachant son bras, ça a été déjà fracturé une fois. Allez! Feu! Allez! Comment? Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la, vie! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Le feu! Le feu! Le feu! Allez! Quitte ta vie. Lâche-la maintenant. Là. Oui, lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Amen. Lâche ta vie maintenant. Oui, toi.
Pardonnez, monsieur, toi, pardonnez. Quel est ton nom? Toi, toi, toi qui habites son corps. Oui. Je n'ai pas dit mon nom, je n'ai pas dit mon nom. Mais tu m'as dit ton nom. Je vous avais quoi? Oui, laisse-la. Je vous avais quoi? Mais laisse-la. Laisse sa vie. Je ne veux pas qu'elle reste dans sa vie. Et pourquoi tu ne veux pas laisser arrêter? Parce que je l'ai vu depuis qu'elle était métisse. Oui. Je l'ai vu, je sais qu'elle va commencer à travailler. Oui. Je savais ça. Depuis qu'elle était métisse, je l'ai gâtée. Je l'ai fait un vie. Elle avait quel âge quand tu l'as gâtée? Elle avait 2 mois. 2 mois. Et tu l'as gâtée? Je l'ai gâtée. Tu as fait quoi pour la gâter? Si je suis une sorcière. Ouais. C'est normal que je dois la gâter. Ah bon? Ah bon? Et je vais gâter aussi ses frères et sœurs. Tu veux gâter ses frères et sœurs? D'accord, ça, est-ce que tu ne veux pas que Dieu réussisse? Quel est ton nom, toi? Je ne veux pas dire mon nom. Si je dis mon nom, c'est pas bien. Mais tu diras ton nom. Le feu sur toi. Je suis avec. Le feu sur toi. Ne mettez pas le feu sur moi. Mais je mets le feu. Mais toi, tu vis comme moi, mais tu es un homme comme moi, mais tu veux me tuer. Non, je suis un homme comme toi. Toi, tu détruis les gens. Je ne détruis pas les gens. Oui, tu l'as détruit. C'est toi qui as dit. Je n'ai rien dit. C'est toi qui as dit. Je n'ai rien dit. Alors, sors de sa vie. Je vais te gifler. Si tu fais ça, je vais te gifler. C'est la chose que tu ne pourras pas faire du tout. Je vais te gifler, tu me connais. Tu ne peux pas faire ça. On se connaît où? On ne peut pas te connaître. Je dis on se connaît où? Viens me poser des questions. Fais sur toi. Fais sur toi. Allez. Tu oses parler à un coin que je suis. Qui es-tu? Allez, touche-moi. Couche-toi. Pardonnez. Couche-toi. Pardonnez, laissez-moi. Allez, couche-toi. Je Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Mais je ne dis pas n'importe qui. Allez, couche-toi. Je ne dis pas n'importe qui. Couche-toi. Couche-toi, allez. Ici, je n'ai pas de lit ici. Couche-toi. Je n'ai pas de lit. C'est un homme. Je n'ai pas de lit ici pour le faire. Couche-toi, alors. Pardonnez. Pardonnez. Feu. Non. Feu. Allez. Feu. Quitte son corps. Quitte. Si tu veux que je quitte. Quitte son corps. Si tu veux que je quitte. Pas quitte. Tu veux que je quitte. Toi. On date des amis. Feu. Feu sur toi. Feu. Allez, feu. 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 Et le projecteur est là. Feu, fais ton feu projecteur. Feu, feu, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Laisse passer. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Allez, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. 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 Je quitte sa vie. Feu. 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 Feu, quitte ta vie. Feu, le feu consume tes œuvres dans ce corps. Tu fais des imbéciles là, recommencer encore une fois. Le feu, imbécile. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Sauvage, imbécile. Le feu, le feu. Feu, feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Je ferme ta bouche au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. À genoux, allez. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Mets le pied. L'autre genou à terre. L'autre genou à terre. Allez, feu. Feu sur toi, allez, feu. Feu. Feu, 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 allez, 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 feu sur
sur toi. Feu sur toi. Feu. Le feu consume tes œuvres. Le feu. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Tu vas partir. Tu vas quitter ce corps. Maintenant. Maintenant. Allez. Va-t'en. 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 Allez. Va-t'en. 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 Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. Allez. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Ah, va-t'en. Va-t'en. Ah, on ne peut pas donner, laissez-moi en paix. Va-t'en. Va-t'en. Feu. Si je veux partir, je vais aller où? Non, mais si je suis chez moi, laissez-moi en paix. T'en vas sous la mer. Ici, là, laissez-moi, ici, c'est chez moi. Tu t'en vas sous la mer. Va sous la mer. Quand je... La mer c'est l'eau. Non, on ne peut pas vivre dans l'eau. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, vivre dans la maison, puis vous êtes là comme ça. Tu fermes ta bouche et tu quittes ce corps. Tu exécutes maintenant. Mais moi, c'est moi, vous allez tuer mon cou. Laissez mon cou. Feu, lâche-la. Je détruis la présence de l'épilepsie. La présence de l'épilepsie dans son corps. Je détruis cette présence au nom de Jésus maintenant. Maintenant même, je détruis au nom de Jésus. Vous avez vu ça là? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Voilà, sors. Au nom de Jésus. Allez, feu! Feu! Allez! Feu! Lâche-la! Quitte son homme! Lâche son homme! Feu! Allez! Feu! Commande! Libère-la! Libère-la! Voilà, libère-la! Maintenant même! Libère-la! Allez! Voilà, libérez-la! 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 La puissance de Jésus! La puissance de Dieu! La puissance de Dieu! La puissance de Jésus! La puissance de Jésus! La puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. La puissance de Jésus se manifeste dans ta vie. La puissance de mon Dieu se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quittez sa vie. Vous lâchez ses corps. Vous lâchez totalement sa vie. Au nom de Jésus. Vous lâchez totalement sa vie. À la puissance qui est dans le sang de l'agneau. À la puissance qui est dans le sang de Jésus. Vous lâchez totalement sa vie. Vous lâchez totalement sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la main de Jésus, se manifeste. On va lâcher sa vie. Quitte sa vie. Puissant de la sorcellerie. C'est là, il faut qu'elle fasse des aveux. Il faut qu'elle fasse des aveux. C'est l'esprit de la sorcellerie. Lâche-la. 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 Feu. Feu. Mais quand elle voit Apprends français ou bien. On t'en est là, ça ne coupe pas. Ne tient.
Ouais. J'aurai. Ouais. Yeah. Vous avez un tableau aussi appelé François Michel. Il est pas. Puissant de la sorcellerie. Tu as tué combien de ses enfants? Cinq enfants. Tu as tué combien de ses enfants? On va voir. Donne-moi le nom des enfants. C'était pourquoi? Tu les as tués pourquoi? Baby,